J'ai besoin de dire les grands projets que vous avez enclenchés et réalisés depuis que vous êtes président de la République de Guinée. En première position, vous avez mis 100 MW d'énergie thermique pour pouvoir sortir rapidement Conakry de l'obscurité. Et en 3 ans et demi, vous avez réussi à faire le barrage de Kalita, 240 plus 100, ça fait 340 MW. Aujourd'hui, monsieur le président de la République, depuis le 22 décembre 2015, dès après votre investiture, le 21 décembre, vous étiez là à Soapiti pour lancer les travaux de Soapiti. Aujourd'hui, monsieur le président de la République, c'est une fierté pour nous. Et ça doit être une fierté pour le peuple de Guinée. Pour les travaux déjà accomplis, réalisés déjà dans le cadre de ce méga projet, dans le cadre de ce grand barrage qui ne sera jamais jamais construit un autre barrage qui sera plus puissant que le barrage de Soapiti, 450 MW. Ce sont nos œuvres, monsieur le président, que nous devrons magnifier à tout temps. Monsieur le président de la République, je sais que dans la mission que vos pères vous ont confiée pour électrifier toute l'Afrique avec de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable, de l'énergie non polluante, vous avez déjà entamé à réaliser ces progrès. Avec 19 sites répartis un peu partout à travers l'Afrique. Et aussi, vous venez d'initier l'Alliance africaine pour l'interconnexion énergétique et le développement durable. Vous m'avez envoyé en mission, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour aller partager votre vision avec vos pairs de la République démocratique du Congo, avec le président de la République du Congo, avec le président de la République du Cameroun. Tous ces présidents m'ont reçu avec le plus grand respect et partagent votre vision. C'est le moment de le dire et de le dire au peuple de Guinée. Vous êtes, monsieur le président, très respecté à l'extérieur par vos pairs. Notre grand espoir que le peuple de Guinée aussi comprennent que depuis votre investiture, le premier mandat, un barrage, c'est le barrage hydroélectrique de Kalita, 240 MW. Le deuxième mandat, 450 MW, presque doublé la puissance du premier mandat. Et ce n'est pas que Soapiti, Amaria a démarré pour 300 MW. Faites vos calculs. Franconedou Komedou va bientôt démarrer en ce mois de février 2019. La ligne d'interconnexion qui va alimenter la Haute-Guinée et la Guinée forestière. La ligne d'interconnexion Guinée-Mali. La ligne d'interconnexion Lissamboni. Le barrage hydroélectrique de Koukoutamba, 214 MW. 309 sites aujourd'hui inventoriés avec des études d'opportunité qui définit très exactement le potentiel hydroélectrique de la Guinée, 6233 MW. C'est une grande prouesse, c'est du travail. Il faut que nous en parlons pour que le peuple guinéen comprenne que nous avons un bâtisseur devant nous. Donc, tous ces travaux réalisés en si peu de temps, si toutefois il y a la possibilité de continuer, le reste, devinez-vous-même, deux mandats, deux grands barrages avec des études à l'appui. Le reste, devinez qu'est-ce qui sera fait en matière d'énergie. L'interconnexion de la sous-région, l'alimentation en énergie électrique du Sénégal, de la Gambie, de Guinée-Bissau, de la Sierra Leone, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de l'énergie venant du Inga, 100 gigawatts. 8 gigawatts plus nos 6 gigawatts pour industrialiser toute la Guinée. C'est votre vision. La première fois, vous l'avez dit ici, à Kalita, les gros barrages vont servir à l'industrialisation aux mines de notre pays. Les petits barrages pour alimenter les petites et moyennes entreprises et les consommateurs domestiques. C'est ici que vous l'avez dit. Aujourd'hui,
c'est en train d'être réalisé grâce à votre soutien. Merci, monsieur le président. Quand on a été dans les trois pays là, le secrétaire général de GEDCO qui nous accompagne s'est habitué à dire aux autres présidents à Kafo, à Kaker. Donc, il faut que ça là, ça soit récompensé. Comment récompenser un chef d'État si ce n'est que de le soutenir pour les grandes œuvres qui sont en train d'être réalisées? Nous voulons vous dire, monsieur le président de la République, merci. Merci pour votre vision pour la Guinée. Merci pour votre vision pour la sous-région et toute l'Afrique. Et vos pères, en tout cas les trois pays que nous avons visités, ont donné leur accord de participer à l'Alliance d'interconnexion énergétique et du développement durable de l'Afrique. Ils sont prêts à vous accompagner. Il y en a un même qui m'a dit, mais pourquoi on n'a pas pensé à ça avant? Il a fallu un professeur Alpha Condé pour y penser afin de doter toute l'Afrique de l'énergie qu'il faut. Parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. C'est clair et net. Nous disons, nous, les techniciens, que ce sont les philosophes qui le disent, mais c'est vraiment la vérité. Votre vision de faire de Boké, la région de Boké, une zone industrialisée, transformer cette bauxite rouge en aluminium et l'électronique de l'aluminium pour pouvoir donner l'aluminium, le produit fini, la plus-value qui va se rajouter pour le peuple de Guinée, pour les jeunes de Guinée, pour les femmes de Guinée. Merci une fois encore, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci à Son Excellence, Monsieur le Président de Zimbabwe, d'avoir accepté de visiter notre chantier. C'est le plus grand chantier de la sous-région, c'est le plus grand chantier de la Guinée, et je crois qu'on ne construira plus d'autres barrages avec une puissance de 450 MW. C'est le dernier. Ce dernier barrage-là appartiendra toujours à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et l'histoire retiendra que le 28 septembre 2015, vous avez sorti la Guinée de l'obscurité, le 28 septembre 1958, Ahmed Sékou Touré, notre président, premier président, a sorti la Guinée de la colonisation et nous a sorti la Guinée de la société. Il me manquera des mots, je ne veux pas parler de technique, il me manquera des mots pour pouvoir dire encore merci. Excellence, monsieur le président, permettez-moi, ce qu'il y a à dire, il y en a tellement. Et je demande à tous et à chacun d'applaudir le bâtisseur de la Guinée, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Thank you.
Well, my brother, the president, has briefed me his vision not only for Guinea but for the continent. The issue is that Africa must modernize, Africa must industrialize. One of the enablers to do so is the capacity to generate energy. And this is one of the projects that is directed to achieve that vision, initially for Guinea. But as we go on in developing interconnection for the continent, the rest of Africa, those who have capacity to generate electricity on their own, and those who do not, will benefit from a global or continental interconnection of energy. And this is one of the projects that is directed to achieve that vision. So now in this place, me and my brother is the elder brother to me, he is the president. However, we are benefiting from the vision of the founding fathers for independence. We have foresight that Africa must be united. The only way for Africa to be meaningful, to play a significant role in international affairs, for us to be united. So we are following the footsteps of our founding fathers. And Guinea is one of the early African countries that espoused Pan-Africanism. And I'm here to honor that vision of the founding fathers. And I'm happy that my brother, the resident here, is walking in the same revolutionary pursuit to unite Africa. Okay.
que je ne peux pas y parler là. Essayez de me traduire en français. Il a parlé vraiment en anglais. Prenez-moi en français.